Jessica. Bye. Dernière journée. Ah, ben dernière journée pour toi. Bye. Bye. Salut. On est vendredi, la 20 juin. Non, on est jeudi 20 juin. Excusez. Elle l'a mêlée. Katia, elle n'a pas d'école. Vous savez, elle est en congé. Elle dort encore. Il est 8 h moins quart, puis elle dort encore. C'est mon premier matin de vacances, commence bien. Je laisse dormir encore. Puis Lucas, il est parti à l'école. Lui, tu sais, lui, c'est la dernière journée, mais normalement, il finirait demain. Mais là, c'est parce qu'il y a un rendez-vous que je n'envoie pas demain. Fait que c'est ça, mais le teint est gris. Regardez comme il fait pas beau. Ah, puis hier, j'étais en tournoi Super C hier soir. J'étais allée racheter deux. Il restait juste deux boîtes, finalement. Je les ai mis en haut, là. J'aurais voulu plus, mais là, il en restait pas plus. 5$. Ça m'a coûté 10... Même pas 10$ pour les deux. Je disais, ça veut dire qu'il n'y a pas de taxe ou c'est moins cher que 5$, en tout cas. Fait que j'étais contente. C'est ça. Hier soir, on a fini la soirée en faisant du spa. Ça, je pense que je vous l'avais dit. C'est ça, c'est en gris, mais ça me dérange pas. J'ai plein d'ouvrages à faire. Faut que je fasse du ménage. Je vais finir la piñata, Alika. Fait que, à date, il y a deux personnes qui ont confirmé. Deux enfants sûrs qui viennent. Mais là, les autres, ils n'ont pas encore confirmé. Fait que, j'espère qu'ils vont être plus que deux. En tout cas, à voir. Fait que, c'est ça. Je vais en profiter, moi, pendant 4 heures encore. Je vais m'asseoir sur le divan, relax. Je vais faire un montage. Puis, c'est ça. On sort au courant de la journée. Bye! Bonne journée! Allô, Kato! Allô! Kato, c'est ton premier matin de vacances! Oui! Regarde ça, 8h30! Elle se lève! Je vais pas te laisser dormir! Hein? Tu vas être en forme? Ouais! Le gars, voyez, mon chien a commencé à patcher les trous qu'il y avait là. Tu sais, pour la fête à Kato, j'avais mis des affaires, puis ça avait. Ouais! Fait que c'est ça, il reste beaucoup d'ouvrages à faire. Mais c'est quoi ça, cette toupette là, matin? Ah, mais là, les cheveux tantôt. Ça, il reste encore beaucoup d'ouvrages à faire. Pareil, pour samedi, je pense qu'il avait commencé à patcher les trous parce qu'on voulait remettre ça le plus beau possible, mais on n'y arrivera pas tout faire ce qu'on veut. Mais en tout cas, pas grave. Hein? Maintenant, on fait ce qu'on peut. On a mis un sa fenêtre là, mais lui, mon chum, il a tassé ce bord-là. Mais moi, je crois que ça serait plus beau l'autre côté. Je pense que je vais le tasser puis il roule l'autre bord. Puis. Regardez, c'est drôle, Nick. Il y avait une belle plante qui s'était achetée sur le logement. Je ne sais pas si ça aurait plu, mais là, si tu commences à le vider, là, ça ne sera pas long qu'il n'y aura plus de logement. Puis il ne va plus à son logement quasiment. Mais je lui dis, amène-la ta plante ici. Mais là, je pensais que ça ferait beau, là. Mais je crois que je ne la laisserai pas là. Finalement, je ne trouve pas ça. Je voulais avoir de quoi pour cacher en arrière du divan ou pas. Mais je pense pas le laisser là. Je vais trouver une autre place. Bon, ouais. C'est ça qu'elle ne savait pas déjeuner en même temps. J'essaie de donner des céréales, des croques cannelle, elle n'en veut pas. Je vais attendre un peu, je vais mettre plus de côté. Tu n'en veux pas, Kato? Non. Fait que je vais rester plus tard. Il faudrait que je me lave les cheveux. Je sais pas si je fais ça ou. Bon, j'en pense à baisser. Ah, ça, je vais vous dire, là, je suis tellement tannée. Tu sais, les journées vont vite, on saute tard, puis quand on. Tu sais, après super, mais on est fatigué, on va se bercer un peu dehors ou on va en haut sa terrasse, mais après ça, ça se botte le cul pour venir ramasser la vaisselle dans le fond du souper. Pour se lever le matin et commencer la journée du bon pied, tu sais, qu'on va pas être trop toute l'accumulation avant de commencer la journée. Mais j'ai toujours un de mes grands qui vient se faire de la bouffe puis qui laisse tout traîner, tu sais, qui laisse dans le fond du signe. Bon, il dit. Normalement, tu sais, moi, il sait que normalement, faut pas qu'il mange après les heures de repas, sinon, il faut qu'il ramasse, ça paraisse pas. Au moins, tu sais, mais il fait jamais, jamais. Au moins, c'est pas étendu sur le comptoir, remarque. Ça, il s'est amélioré pour ça, là. Mais tu sais, je trouve ça plate. Que sérieux, là, je pensais même acheter une poignée qui se barre avec un code, tu sais, juste nous qui va savoir le pas. Le code, je pense sérieusement, là, j'en peux plus, là, d'être toujours frustrée, puis de. Tu sais, le matin, je me lève, puis je vois ça, là. La pression monte, mais après ça, je me raisonne, je me dis, oh, il y a des choses pires, mais ça me fait chier pareil, là. Puis je suis tannée de ça. Fait que je pense que je vais prendre les moyens pour pas que ça arrive. Fait que nous, quand on va monter le soir, se coucher, ça va être clean. La porte va être barrée, on pourra pas rentrer. Que je suis tannée, là. Je suis tannée de ça, là. C'est tout le temps recommencer. Puis, tu sais, déjà qu'on n'a pas d'énergie pour faire les affaires, qu'on les fait, on trouve l'énergie pour les faire, ben, on se fait tout boffer ce qu'on fait. J'haïs ça, là. Puis là, bon, je me dis, ben, ils vont passer par le trou de porte. Je dis, ben, là, la grosseur qu'il y a, ça nous prendrait. Puis sinon, ben,
On le bouchera, le trou de porte, c'est ça, là. Fait qu'en tout cas, parce que, ouais, c'est vrai, le trou de porte, on l'a pas réparé. Tu sais, ça paraît pas trop, finalement, qu'il manque une vitre quand même. Puis au début, Katia était gossante, arrêtait pas de vouloir ouvrir le congé, mais ça passait cette passe-là. Fait que là, c'est pour ça qu'on n'avait pas comme rien refait. Mais en tout cas, bref, vie de maman, des fois. C'est pas toujours. C'est ça. Fait que. Ça peut bien, mais un jour, que vous voyez une poignée à code ici. À voir. Fait que, en tout cas, je vous rejoins plus tard. Bye. Hey, c'est ça, ça vient de sonner à la porte. Je me demandais c'était qui. Là, c'était. Savez-vous, c'est quoi le pays? C'est quelqu'un qui a sonné, j'avais la peur du genre de dire. Ah, oh, il vient de porter des passeports. Ah ouais, t'avais l'intuition. J'ai quand même fini, j'ai ouais, du coup, il venait porter ça à la porte. Genre. On a eu le passeport à Lucas! J'ai rendu le passeport. Hey! Genre, il nous avait dit le 27 juin. La date qu'on était allé, c'est allé le 27 juin. Les gars, on l'a quand même, 16 jours avant, on est le 20. Mais tu sais, Katia, ils n'ont même pas encore la photo. On n'a même pas trouvé le temps d'aller, de s'en occuper. Fait que, Lucas, ils ont son passeport! Ouais, mais mon chat l'avait dit, il dit souvent une date, mais c'est tout le temps avant, ben souvent. Qu'est-ce que tu fais, toi? Hein? Veux-tu manger? Tu as-tu faim? Je vais te faire manger, là. Ouais. Ça, c'est pas mal l'heure de dîner, hein? C'est tout le Québec. Ouais. Mmh. C'est ça, son passeport. Mmh. Regardez, c'est beau. Mmh. C'est ton rieux. Bon, Katia, elle a bien dîné. J'avais fait un macaronam, j'avais rajouté du pesto, du jambon dedans, puis du parmesan. Fait qu'elle a tout bien bouffé ça, je suis contente. J'en ai un petit peu de chips. C'est pratique à pogner ça. Puis là, moi, je vais aller faire un petit peu de pignata. Parce que là, il y a du trafic dans la cuisine. Fait que je vais dîner après. Mon chum, je pense pas qu'il vient dîner. Puis s'il vient dîner, ben il reste la pizza d'hier. Fait que, continue la pignata. Je vais être rendue à faire le blanc. Bon, ben. C'est ça. Je les ai pas parlé beaucoup. L'après-midi, elle passe vite. Je suis seule avec ma catou. T'es seule avec ma catou. Elle voyage d'une pièce à l'autre. Elle va en haut, elle descend. Hein? Mais c'est ça, moi j'avance des gogos, du ramassage, du ménage, des poussetages, lavage de miroir. Ça j'avance, et je fais pas de pièce par pièce, je fais un petit peu par pièce dans le fond. Puis je fais ce que je peux, tu sais, je suis 400 quand elle monte en haut, je la suis, ça redescend, je fais ce qu'il y a à faire en bas. J'ai continué un petit peu la pignata. Fait que, elle est mouille là par exemple, ça a même pas de sens. Lucas, ben il arrive dans pas long, dans 15 minutes, Lucas il arrive! C'est fini, c'est la première année, pas croyable. Moi, que quand j'en repasse au début d'année, vous savez, celui qui me suivait, là, comment c'était difficile. Là, il a fini sa première année. Ça a super bien été. Tout s'est replacé par chance, puis ça a bien été. J'espère juste qu'en deuxième année, ça ne fera pas ça. Tu sais, qu'il va être anxieux, il va être stressé de recommencer. Mon chum, ça va chercher Lucas parce qu'il mouille trop. Il va chercher quel parapluie. T'as-tu envie de faire une petite danse? Non. T'as-tu envie de chanter? Vive les vacances? Fais-tu un gobelet? Wow! Quelqu'un avait un sac surprise. Kathleen, c'est comment? C'est quoi ça exactement? C'est orthopédagogue. Ouais. Puis elle t'a fait. Ah, t'as eu des bulles? Ça, c'est des bulles? Oui. Puis une petite lumière. Wow! Puis ça, c'est une craie? Oui. Ah! C'est fun! Une petite lumière. Les bulles, wow! Avec ça, un beau sac comme ça, avec une étampe de camion de pompier. Puis Lucas, il y a un beau livre. Il y a eu un livre en cadeau. C'est la girafe et l'oiseau, mais toutes les élèves l'avaient, là. C'est comme un cadeau fin d'année. Puis regardez, félicitations! C'est une super année en première année. De nouvelles aventures pour t'attendre maintenant en deuxième! Il passe en deuxième! Puis ça aussi, une carte de son prof. Puis tout le monde a signé dans sa classe, je crois. Puis, il y a eu des enfants Pokémon. Puis là, deux autres, ils ont confirmé qu'ils venaient à la fête à Lucas. Fait qu'on est rendu à quatre enfants. Je suis vraiment contente. Si même les autres ne viennent pas, ben on est quand même. Ça fait cinq avec Lucas. C'est parfait. Fait que je suis contente. Ça me stimule à continuer à faire des décos. Allô, on a soupé. Maman, j'avais goût de sandwich aux tomates. C'est ça, hier, j'avais écouté une story de mon amie Julie Dando, dans le fond. Puis c'est ça, elle montrait ça qu'elle faisait sandwich aux tomates, fait que j'essayais, mais là, j'avais pas de basilic.
à mettre dessus, par exemple, mais c'était bon, c'était vraiment bon. Ah, puis c'est tellement beau, hein, voir les couleurs, là. Parce qu'on a mangé ça, moi, puis Pam. Lucas a mangé juste des œufs encore, bacon, puis Katia, ben, elle mange moins bien, là, depuis hier pour aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle mange moins bien. On a fait essayer des côtes levées avec du riz. Elle en a mangé, puis elle a fini par manger un peu de boursin avec ça. Mais tu n'as pas fini son plat, là, comme d'habitude. Là, il est rendu 6h moins quart. Là, quand mon chum est arrivé tantôt, on est allé prendre un petit train d'auto. On est allé un peu au Beauce-Aubaine. On n'avait rien trouvé au Beauce-Aubaine. Rien partout. Puis, de ce temps-là, ça fait comme 2 semaines qu'on y va, mais il me semble qu'on ne trouve pas grand-chose. Parce que Cathy avait goût de se promener en auto. Elle sortait quand mon chum est sorti rejoindre Lucas pour aller le chercher à l'arrêt d'autobus. Elle voulait suivre, elle suivait, puis elle était rendue quasiment en bas des marches, elle toute mouillée ses bas. Fait que là, on a dit qu'on avait allé en auto parce qu'elle avait pas sorti la journée. Quand on est allé prendre une faire du trail. Puis, c'est ça là, mon chum il est reparti au CIMIC parce que à ce soir c'est le 25e anniversaire que c'est ouvert le CIMIC. Fait qu'il faisait une fête. Fait que là, mon chum il allait. Ils ont donné une belle chemise. Ils avaient une belle chemise toute propre, c'est écrit CIMIC, toute grise. Ben, ouais, ça, c'est vraiment belle. Fait qu'ils donnaient ça à tout le monde. Fait qu'il voulait qu'ils la mettent à soir pour y aller. Fait que tout le monde va avoir la même chemise. Je trouve ça drôle. Fait que là, il allait là à soir. Fait que nous, on va écouter. On va coucher Cathy à 7h. Puis après ça, nous, on va s'installer, puis on va écouter Dumbo! On va écouter Dumbo, puis on va manger des bonbons, puis des chips, puis on se fait une soirée cinéma, parce que regardez comment il mouille encore. Vous voyez la pluie. Je sais pas si vous voyez, c'est dégoûté. Je sais pas si vous voyez, mais il mouille vraiment beaucoup. Fait qu'on va se faire une soirée cinéma. Puis, mais là, moi, je veux finaliser ma piñata. Je veux plier ma grosse brassée de linge. Certains vont partir le film. Il faut que je couche Katia à la préparer aussi, mettre en pyjama. Fait que ça passe vite. Puis, ça va travailler. C'est pour ça aussi qu'on attend 7h. C'est vrai, ça va travailler. Puis, elle finit à 7. Fait qu'elle va arriver vers 7h15. Fait qu'on va s'installer pour écouter le film pas mal à cette heure-là. Là, là ben, on sait que tout le monde est en congé. Ben, mon chum travaille demain, lui, par exemple. C'est ça. Puis demain, mon chum y arrive. Il va falloir qu'on aille à Québec, au Costco, pour aller chercher la bouffe pour notre souper de samedi. C'est ça, je vous l'avais dit, on va être 28. On va être beaucoup de monde, hein? Fait que c'est ça. Fait que samedi, on va être. Samedi, ça va gourler, par exemple. On va falloir faire le ménage. Ça va aller vite samedi. Fait que en tout cas, je vous reparle. Bye. Dis maman! Maman! Maman? Oui. Maman? Je suis ton pyjama. J'ai le pyjama, Katia. Et on va aller cacher le gobelet. Regarde, Katia, Katia. Regarde, maman le cache ici. Katia, regarde. Je le cache. Il est où le gobelet? Il est où? Viens le chercher. Viens le chercher. Regarde. Le gobelet, il est où? Il est où le gobelet? Ouais! Bravo! Bravo, tu l'as trouvé! On va la recacher. Donne à maman. Maman va le cacher ici. Regarde, il est où le gobelet? Regarde. Il est là. Viens chercher. Il est le gobelet. Regarde. Coucou. Regarde, il est là. Il est dedans. Le gobelet. Regarde, Katia. Il est là. On va le chercher. Ouais, vas-y. Ouais, bravo! C'est dans mes bonnes! Bravo! On cache. Maman le met ici. Il est où le gobelet?
Bravo, Catou! Je me accroche. Tu dois souffler pour écarter tes oreilles, comme ça. Super, Tintin. Tu vas lui apprendre à jongler aussi. Bébé Jumbo, regarde-moi. Fais comme moi. Souffle. Oh, Max, approche-toi. C'est pas encore tout à fait au point.